Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes le 6 mai 2018. Et oui, encore une capsule nocturne, oui, parce que j'ai encore découvert dans mon archive des petites fautes, vraiment des coquilles, ce qu'on appelle des coquilles sur Pandora 4. Alors, je l'ai dépublié, et je le recorrige, enfin, c'est à se tirer une balle. Et pendant que je corrigeais, j'écoutais la vidéo de Monsieur Régis Floril du 4 janvier, où il annonçait tout ce qu'il allait faire. Donc j'ai écouté avec beaucoup d'attention et tout de même, il y a quelque chose de bizarre dans cette affaire parce que Macron à l'étranger qui se sauve parce qu'il a peur de se faire arrêter. Monsieur Floril qui fait de grosses annonces. Je pense qu'il y a une couille dans le potage dans cette histoire. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit hier. C'est une déception. Mais à mon avis, c'est aussi une déception pour toutes les personnes du CNT. Je veux pas rentrer dans les débats des manipulateurs, des super égos, des super machins. C'est pas ça. Réécoutez, s'il vous plaît, le discours d'Éric Floril. Et c'était un discours qui était quand même très intéressant, très chargé en informations. Et il me semble qu'en fait, l'armée et la gendarmerie qui auraient dû suivre n'a pas suivi. C'est pas à cause de Floril, hein, je crois pas. Et je crois que c'est à cause des soutiens qui sont pas arrivés. Peut-être qu'ils ont eu peur quand ils ont vu que leur collègue s'est retrouvé en asile psychiatrique. Je ne sais pas. Mais franchement, Floril, il a du courage parce qu'il a quand même traité Macron d'abruti. Faut le faire, hein. Oui, il faut le faire, c'est pas mal. Il a un discours qui est solide, qui tient le coup, qui tient debout. Il s'est passé quelque chose. À mon avis, c'est la franc-maçonnerie qui a encore tout fait capoter. Parce qu'il ne faut pas imaginer qu'il n'y a que Floril qui devrait être responsable. Je crois pas. Je crois qu'il y a beaucoup de facteurs et ces facteurs, on les a oubliés parce qu'en France, on a. Enfin, pas qu'en France, mais. Ce sont des choix populaires. On a toujours tendance à trouver des coupables. J'ai fait un drôle de rêve cette nuit. J'ai rêvé que j'étais avec plein de gens et j'étais le coupable de tout, de tous les malheurs, alors que j'avais rien fait. Alors est-ce que c'était un rêve prémonitoire? Est-ce que c'était pour me permettre non pas de réviser, mais d'essayer de comprendre le flop du 5 mai, peut-être. Et c'est pour ça que je me suis forcé à réécouter Monsieur Floril, et je vous encourage à le réécouter aussi, ben pour vous en inspirer, parce que tout ce qu'il a dit dans son discours, qui était d'ailleurs chargé d'émotion, c'était vrai, c'est vrai. Tout ce qu'il a dit, c'est vrai. C'est bon, il a tendance un peu à nous faire peur pour une guerre, enfin bref, patati patata. Peut-être que sur certains points, mais qui n'essaye pas d'utiliser justement des arguments pour sa paroisse? Même les curés font ça. Et les mouftis font la même chose, hein, les rabbins certainement aussi. C'est vrai que les hommes de pouvoir ont toujours cette tendance à essayer d'en faire trop, d'en faire trop. Mais dans l'absolu, et je crois que les gens du CNT qui ont défilé, ils n'ont pas à avoir honte de ce qu'ils ont fait. C'était très très courageux de leur part. C'est dommage que les autres n'ont pas suivi, que le peuple n'a pas suivi, parce que il y a quand même. Alors il y a quelque chose d'illogique, parce que si Floril a raison en disant que ce gouvernement est illégal, ce qui est vrai, en disant que le gouvernement devrait être arrêté, ce qui est vrai,
Comment ça se fait qu'il ne le soit pas? C'est la question que tout le monde se pose. Et oui, mais parce qu'il est vérolé. La République française, qui n'est plus une autorité, mais qui est une entreprise, est vérolée par des groupes de francs-maçons extrêmement puissants, d'ailleurs qui nous font beaucoup de mal, parce qu'ils veulent la domination totale et complète sur le peuple, et ils y parviennent. Et là, ils sont passés par en dessous, et à mon avis, ils ont bloqué l'armée, la gendarmerie et la police. Ou alors, si c'est pas eux, c'est l'armée qui fait ça pour réaliser son coup d'État, qui sera justifié de la même façon, et qui voulait mettre de côté Floril. Mais alors là, ça m'inquiète parce que si l'armée fait ça, l'armée, c'est une force d'intervention. C'est pas une force de pouvoir. C'est ça le problème. On ne peut pas laisser l'armée au pouvoir, parce que l'armée au pouvoir. Alors déjà, on a une dictature avec, entre guillemets, comme ils le nomment, l'abruti, ou le blond, ou Moumout, Moumout à tort. Alors si après on a une autre dictature militaire, je ne sais pas où ça peut nous mener. C'est là où je m'inquiète, bien que les soldats militaires, des officiers, des généraux qui sont disposés à reprendre le pouvoir en France sont des hommes d'honneur. Ça nous changera de tous les malveillants et malfaisants qu'on a eus jusqu'à présent. Parce que, question honneur, il n'y en a pas un qui en avait. Pas un. Alors, que ça soit de Sarkozy à Hollande, en passant par un petit Bokassa qui se prend pour un empereur des mouches, présentement lui-même. Donc là-dessus, ça nous changerait, certainement. Et peut-être que ça remettrait, comme ils disent, de l'ordre dans ce pays, qui part dans tous les sens et dans une situation assez dramatique. On est dans une situation catastrophique et ce gouvernement actuel est en train de nous dénier, de nous retirer tous nos droits. Et ça, M. Floril l'a très très bien exprimé. Donc j'ai le sentiment, excusez-moi, j'ai vraiment le sentiment que il s'est passé quelque chose qui a dépassé Floril et le CNT. Ils ont été bananés, comme on dit grossièrement, parasités ou bloqués par un manque de soutien. Un soutien qu'ils avaient précédemment, du moins qu'on leur avait assuré. Là-dessus, il y a, à mon avis, les francs-macs. Ils ont dû motiver les flics en disant « Ouais, faut libérer le collègue » et tout ça. Oui, mais le collègue, on aurait pu le libérer après. C'était pas le principal. Le principal, c'était de mettre aux arrêts le gouvernement. Et il faudrait le faire. Là-dessus, que ce soit Floril ou n'importe qui, il faut le faire. On entre dans une situation dramatique où on va se retrouver avec une constitution complètement rognée, comme un gruyère dévoré par une bande de rats. Et ensuite, ben, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Donc c'est pas imaginable. Vous allez voir que à ce rythme-là, ils vont effectivement faire payer les propriétaires un loyer. Ils vont leur faire payer un loyer. Ils vont ruiner les Français encore plus. Ils vont leur voler leur jardin parce qu'ils veulent pas que les Français fassent un potager pour s'alimenter eux-mêmes. Ils vont faire les choses les plus épouvantables. Maintenant, on n'a plus le droit d'avoir de récupérateur d'eau. Enfin, c'est extraordinaire. Vous mettez un moindre abri dans votre jardin, il faut le déclarer parce que ça rapporte aux impôts. Mais c'est du racket. Nous sommes dans une ère de racket. Donc, dans l'absolu, Floril est meilleur que Mélenchon, ça c'est sûr. Je suis désolé pour les mélenchonistes. Hein. Mélenchon est un homme du système. C'est un socialiste qui est devenu un espèce de gauchiste qui reprend le socialisme à sa sauce. Mais il ne vaut pas mieux que les autres, hein, je ne suis pas d'accord. Là-dessus,
C'est un franc-maçon comme les autres, hein, et que vous le vouliez ou non, ça va pas vous plaire, mais la question, c'est pas là, on n'est pas là pour plaire. On est là pour essayer de comprendre pourquoi ça marche pas, pourquoi à chaque fois qu'il y a un gouvernement, c'est la merde totale, pourquoi mais on vit de plus en plus mal alors qu'on devrait vivre de mieux en mieux. C'est la question qu'il faut se poser. Alors, c'est vrai, le CNT s'est encore cassé la gueule, c'est vrai. Mais peut-être qu'il s'est cassé la gueule parce qu'on l'a poussé à se casser la gueule. Et j'y pense depuis hier et ça me travaille, je suis désolé. Vous savez que je suis sincère, que je suis quelqu'un d'assez droit. Si on cherche dans la vie des gens, il y a toujours des courbes, ça c'est sûr. Mais j'ai jamais volé personne, j'ai jamais violé personne, j'ai jamais violé un enfant, je suis un homme droit là-dessus, je maltraite pas les animaux, je maltraite pas les femmes, je suis ce qu'on appelle un honnête homme qui a un sens moral, qui a un sens moral, voilà. J'ai pas un ego surdimensionné comme prétendait une personne ce matin, mais comme j'ai répondu, elle a vite disparu. Écoutez, madame, je fais des vidéos pour informer, je fais pas des vidéos pour faire de moi une vedette. Hein. Ça m'intéresse pas. Je fais des vidéos pour aider les gens, c'est tout. Je le fais pas pour moi. C'est pas pour moi que je fais les choses. On fait pas les choses pour soi. Quand on les fait pour soi, on va pas loin. On est vite trahi. On est vite trahi par ses propres mauvaises intentions. On fait les choses pour les autres. Alors ça veut dire que même quand on fait des choses pour les autres, alors on aurait de l'ego et ce serait mauvais. Il y a vraiment des gens cons, vraiment, c'est pas possible. Il y a des gens bons et il y a des gens drogues. Allez, un peu d'humour, ça fait pas de mal. Bon, tout ça pour vous dire que je crois qu'il ne faut pas lancer la pierre à M. Floril. Et j'ai parlé avec personne, hein, ça je vous assure. Hein, c'est ma propre réflexion. J'ai pas eu besoin de parler avec les uns avec les autres. Peut-être que M. Floril a beaucoup d'ego, c'est possible. Mais c'est pas la question. La question, c'était la journée du 5 mai. Il y avait des intentions, elles étaient bonnes, elles étaient même très bonnes. C'est d'ailleurs tout ce que souhaitent les intentions, ces intentions étaient des intentions que tout le monde souhaiterait réaliser. Personne ne peut supporter cette espèce de petit arrogant qui va faire un broutminou à la première ministre australienne. Hein? Your delicious wife? Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est la réflexion qu'a eue la présida Petit Bokassa devant le premier ministre australien en le remerciant de son accueil. Et de sa femme délicieuse. Alors, si en français on parle d'une femme délicieuse, en dehors des repas francs-maçons, où quand on vous dit vous avez une femme délicieuse, c'est qu'ils viennent de la bouffer, ça c'est la vérité. Ça va pas leur plaire, mais je les emmerde. les francs-macs, malfaisants. Comme le disait Mel Gibson, ils boivent le sang des enfants à Hollywood, hein, ça c'est vérifié, c'est comme ça. Eh bien, notre joyeux arrogant, le blond, Moumoutator, l'abruti, comme dit M. Floril, eh ben, je ne mets que des guillemets. Hein, je ne me permettrai pas d'insulter la fonction. Mais il a quand même dit au Premier ministre qu'il avait brouté le minou de sa femme, en disant qu'elle était délicieuse. Je ne savais pas qu'il en était capable de ça. Bon, passons. C'est quand même un type qui fait pas mal de gaffes. Hein. Il est pas du tout à la hauteur. Il n'est pas à la hauteur de la fonction. Il n'est pas à la hauteur des décisions. Il est à la hauteur de rien. Et puis son pisse-froid, là, son petit chien, le petit comment, le petit chihuahua à sa mémère, là, Castagnette, là. Il vaut pas mieux. Hein. Mais. Je crois que si vous êtes comme moi et si vous voulez vous séparer de cette bande de branquignoles, parce que ça, c'est des branquignoles, mais qui sont des méchants branquignoles, hein, là, avec son symbole, là, devant la pyramide, quand il a été élu, tu parles élu, quand ils l'ont mis sur le podium, mais c'est un scandale.
C'est un scandale avec 666 vitraux sur la pyramide. Enfin, mon Dieu, mais il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas jeter l'opprobre sur M. Floril, parce qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Il l'a fait avec courage et il risque sa peau, comme le CRS risque la sienne, lui aussi. Donc, ne lui jetons pas l'opprobre et essayons de réfléchir intelligemment. Remettons peut-être un peu les pendules à l'heure et tentons de nous réunir à nouveau sans nous disputer, sans nous invectiver avec des propos mais absolument mal placés, malveillants, qui mènent à rien. Moi j'ai raison, toi t'as tort, je t'avais dit que c'était un manipulateur. Bon, ok, d'accord. Mais en attendant, celui qui tire ses marrons du feu, c'est l'autre abruti. Alors, dans le fond, on a tous perdu. Donc c'est pas une solution. C'est pas une solution. Je crois qu'il faut reprendre une unité nationale, mais populaire. Et pas avec Asselineau qui est un type du système, pas avec Mélenchon qui est un type du système, mais avec des voix populaires, avec ces gens qui ont défilé dans la rue hier, qui sont convaincus et qui sont convaincus que le pouvoir appartient au peuple, et c'est la vérité. Donc c'est plutôt, même si on n'aime pas Monsieur Floril, faut quand même s'allier à des idées populaires. Alors bien sûr, il se rapproche de Marine Le Pen, mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va devoir supporter Macron encore longtemps? C'est ça la question. À chaque fois, il y a les francs-macs qui arrivent. Ouais, il est du côté de Marine Le Pen. Ils nous ont balancé une vidéo de M. Fleury la poêle. Ça m'intéresse même pas. Cette vidéo-là ne m'intéresse pas. Je ne veux pas juger. Je ne veux pas juger. Vous vous êtes jamais fait filmer par votre femme, votre copine, votre machin, à poil ou je ne sais quoi, dans une position inconfortable? Pratiquement tout le monde avec un smartphone fait ça. Alors on va pas juger Monsieur Floril pour ça. Je veux dire que je ne sais pas pourquoi il a fait ça, je veux pas le savoir. Ça ne me regarde pas. C'est pas ça qui enlève le principe des idées. Il n'était pas sur un gosse en train de le tringler, il n'était pas en train d'enfiler un mec. Donc ça ne regarde pas. C'est sa vie privée, c'est du domaine privé. C'est pas notre histoire, c'est la sienne, celle-là. Et elle ne nous appartient pas. Ce qui est de la sphère privée reste dans le privé. Ça ne nous regarde pas. Tant qu'il fait de mal à personne, on n'a pas à juger. Et puis qui sommes-nous pour juger? Donc là-dessus, je pense que ce qui s'est passé hier, c'est un coup d'État dans l'État. Voilà, et dans le mauvais état. Et c'est regrettable, parce qu'on avait tous quand même un petit peu d'espoir, et qu'on vienne pas me dire, oui, c'est un infiltré, machin, des bidules, des trucs. Je pense que c'est pas ça qu'il faut penser maintenant. Il faut réécouter le discours de M. Floril, parce que tout ce qu'il a dit, là, j'étais vraiment très attentif, puisque j'étais dans les mots, dans la correction, eh ben, c'était très juste. Et ça peut me déplaire un petit peu aussi, bien sûr. Bien sûr, mais c'est pas parce qu'on a des inimités. Enfin, j'ai pas d'inimité envers M. Floril, je le connais pas, donc je peux pas avoir d'inimité envers lui. C'est pas possible. Mais quoi que j'en ai envers Macron, et je le connais pas, mais enfin, je vois ce qu'il est me dégoûte absolument. C'est vraiment c'est comme le laboratoire. C'est pareil, c'est. C'est l'envie de gerber, quoi. C'est abominable. C'est abominable. Donc, ne jetons pas un florilège d'opprobre sur M. Floril. Je crois qu'il doit être très très mal aujourd'hui parce qu'il doit ressentir toutes les traîtrises qu'il a vécues. Parce qu'il s'est fait trahir au dernier moment, à mon avis. Et je pense que la police, l'armée, la gendarmerie, vous deviez être là et vous n'étiez pas là. Ben ça, c'est pas bien, les gars. Parce que vous nous avez fait un coup de jarnac. Et ce coup de jarnac, vous l'avez fait à tous les Français et vous l'êtes fait à vous-même. Alors, je pense que c'est pas bien, ça. C'est pas bien du tout. Bon, voilà, je vais pas me répéter. J'ai retrouvé mes yeux. J'ai retrouvé mes yeux. Merci.
Vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'il a retrouvé ses yeux? Eh bien, c'est mon chien, c'est mon grand. Il y avait un petit biscuit sur la table. Il a tiré avec le paquet, parce que c'est un voleur. C'est un voleur. Mon grand, c'est un voleur, c'est un gourmand. Et il a sans doute dû faire tomber mes lunettes par la même occasion. Oh, il les a pas portées, non. Ou peut-être qu'il a voulu dire à papa, arrête de travailler, sors-moi davantage. Peut-être que c'est ça qu'il a voulu dire. Et c'est mon petit qui me les a montrées ce matin, et c'était à mes pieds. Ben, ça fait quand même 3 jours que je les cherche partout, hein. Bon, c'est retrouvé, c'est la bonne nouvelle du jour. Allez, petite capsule, c'est pas un mea culpa, c'est pas un mea maxima culpa, c'est juste une réflexion que je vous donne. Je termine Pandora, là, je suis sûr qu'il y a encore des coquilles que je ne vois pas, je vous prie de m'en excuser, mais 600, il y a combien de pages? 674 pages à réviser pour la troisième fois, je vois plus rien, donc c'est pas évident. Mais vous l'aurez fin de semaine prochaine, le bouquin, de toute façon. Voilà, alors réfléchissez un petit peu sur ce qui s'est passé. Ne vous battez pas, surtout sur mon mur, j'ai horreur de ça. Que les gens s'invectivent, c'est pas la peine, je supprime, j'élimine. Ne vous battez pas, soyez courtois, soyez correct, soyez respectueux. J'ai mon ami Richard qui a eu le courage de faire une vidéo aujourd'hui. C'est un garçon qui est très timide. Il s'est forcé, il s'est vraiment forcé pour donner un témoignage d'amour face aux gens. Et puis bon, il y a eu un commentaire que j'ai trouvé assez désagréable, comme quoi lui, c'était pas moi. Ben heureusement que c'est pas moi. Et il faut encourager justement ces forces silencieuses. Parce que plus nous serons à faire des vidéos, à donner notre avis, à montrer notre mécontentement, eh bien plus nous aurons du poids. Et donc, il faut pas briser dans l'œuf les gens qui émergent. Au contraire, moi j'ai besoin de soutien comme ça. J'ai besoin que les gens parlent. C'est important. C'est important. J'ai besoin quand vous vous trouvez sur ma page que vous rajoutiez des éléments, des éléments complémentaires et pas des disputes. Les disputes ne servent à rien. Ça sert qu'à amener du conflit et ça ne fait qu'enrichir l'énergie négative dont se nourrissent ces odieux francs-maçons subhumains et destructeurs. Donc, soyons dans la concorde avec les bienveillants et soyons fermes avec les malveillants. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. Et si par hasard, vous n'êtes pas capable de faire cela sur ma page Facebook, il faut quitter. Il faut la quitter. Il faut la quitter, il faut aller ailleurs et puis semer la zizanie ailleurs. C'est mieux, c'est mieux. Mais. Je vous le demande, hein, je vous le demande. Alors je sais, ça n'a pas grand-chose à voir, mais si ça a à voir. Ça veut dire qu'il faut que nous nous unissions avec des pensées positives pour essayer de nous nourrir avec ça. Alors je le répète, réfléchissez bien à ce qui s'est passé hier. Ne dites pas, ah oui, on s'en doutait, c'était comme d'habitude. Je pense qu'hier, il y a eu un grand acte de traîtrise au profit de quelque chose de malveillant. Et c'est regrettable parce que nous en subissons tous les conséquences. Alors que personne ne regrette d'avoir apporté un peu d'espoir à M. Floril, même si mon frangin, Christophe Crosouplon, il n'est pas d'accord, c'est pas grave. C'est pas parce que Christophe et moi, sur ce point-là, nous ne sommes pas d'accord que nous ne sommes pas des frangins. Hein. Ça ne change rien. Hein. C'est nous avons nos opinions et nous les partageons. Et puis voilà, il a écrit, d'ailleurs il a fait une capsule très très intéressante que je valide totalement, mais ma réflexion me mène aujourd'hui à me poser la question de savoir pourquoi il y a eu ce fiasco et s'il y a eu ce fiasco, c'est qu'il a été créé. Et je ne crois pas que ce soit Monsieur Floril qui l'ait créé. Je ne crois pas. Donc réfléchissez encore, peu importe, mais unissez-vous. On doit s'unir, pas avec des partis politiques. On ne doit pas s'unir contre le vert, contre le rouge, contre l'orange. C'est pas ça. On doit s'unir contre une dictature qui est en marche. Hein? Ça a été bien choisi, en marche.
En marche vers la dictature vaccinale, en marche vers la dictature des OGM, en marche vers la dictature des pesticides. D'ailleurs, vous devriez refuser tous les vaccins parce que j'ai découvert un texte de 1945 aux États-Unis d'un médecin qui a prouvé qu'en fait les épidémies de polio étaient liées aux épandages de DDT et à l'utilisation du DDT à outrance. Ça a été prouvé scientifiquement avec des courbes de statistiques et sans la moindre preuve scientifique, ils ont invalidé les recherches de cet homme. C'est dans Pandora 4, vous verrez. C'est assez remarquable de comprendre cela. Et comme ça, vous comprenez que tous ces perturbateurs endocriniens, en fait, font ressurgir tous ces virus que nous avons dans notre banque de données à l'intérieur et contaminent. Et eux, ils nous contaminent davantage en les réveillant avec leurs vaccins. Donc, Floril a été le seul à avoir une politique claire et précise sur les vaccins et anti-vaccinal. Et là-dessus, je suis reconnaissant. Donc, réfléchissez à ce qui s'est passé. Je suis désolé de le répéter, mais je pense qu'une bonne réflexion s'impose et une réunification s'impose également. Voilà. Moi, je n'ai pas défilé. Je suis agoraphobe. Je ne supporte pas la foule. Je ne peux pas me trouver dans une foule. Je ne peux pas. C'est quelque chose qui me rend malade. Donc je suis désolé. C'est comme ça. C'est comme ça. Et Louloute peut en témoigner parce qu'elle le sait. Je ne supporte pas. Donc faut pas me demander d'aller dans les manifestations. Hein. Jamais. Je n'y serai jamais. Je vous soutiendrai de loin. Je suis désolé. Je ne peux pas faire autrement. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir entendu. Soyez dans la bienveillance, comme toujours. Je vous dis à bientôt. Je reprendrai mes capsules informatives sur la médecine bientôt, bientôt. Dès que j'aurai tout terminé. Voilà. Merci. Salut à tous.